Salut à toutes et à tous, camarades survivants, toujours dans la jungle tropicale avec Fluffy la taupe, la seule survivante de notre colonie. Bon, colonie où on n'était que deux. On est en train de délocaliser notre première petite basette pour la relocaliser ici. On va agrandir au fur et à mesure. Je vais essayer de faire dans l'ordre, parce que j'ai tendance à lui donner beaucoup d'ordre. Donc là, on a une zone de stockage pour les produits qui se détruisent. On agrandira. Là, on a une zone de stockage extérieure. Là, on a une zone pour les cadavres. Et je viens de voir un truc intéressant, c'est que elle, dans son matériel, elle avait une armure de commando. Je sais pas si on pourrait la récupérer. Je sais pas. On va regarder ça. On va regarder l'humeur de notre amie qui est plutôt bonne. Donc, elle est pas très joyeuse. On va l'envoyer faire ça. On va l'envoyer déshabiller, elle. Ensuite, on va se soucier de nos aliments. Ouais, il faut vraiment que je fasse une porte ici aussi. Est-ce que je pourrais faire une porte en autre chose qu'en bois? Je vais la faire en bois, c'est pas grave. Il faudra donc qu'on range tout ce bordel, parce que là, c'est le cirque. Je me suis pas encore soucié de l'électricité, parce que pour le moment, je fais un peu dans l'urgence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu ouvert le danger antique et que Harriet Olson était canée, il a fallu qu'on fasse en fonction. Donc, on va faire dans le calme. On s'occupera de l'électricité quand on sera sûr d'être à l'abri et qu'on aura à manger. Même si on peut pas garder de la bouffe, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça va le faire. Calmez-vous, hein, vous les éléphants, là. Restez tranquille, s'il vous plaît. Bon, accélérons un petit peu le processus. Allons voir. Je sais pas, maintenant que c'est un cadavre, est-ce que ça va me dire que c'est contaminé? Ah, elle a vu des cadavres, dommage. Stop. Eh ouais, elle a été portée par un mort, c'est dommage. Bon, bah tant pis, sauve-toi, Fluffy. Elle va le ramener? Ouais. Si tu veux. Je sais pas s'il y a un moyen de contrer ça. Oh, des débris d'acier. Je sais pas si on peut faire disparaître le a été porté par un mort ou pas. J'en sais rien. On verra. Bon, on va solutionner. Ici aussi, vous savez quoi? On va faire une petite porte en bois. Pour communiquer. Ça sera plus simple qu'à chaque fois faire le tour. Allez, mets-moi ça là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a pris sur elle? J'ai vu qu'elle avait pris un truc. Alors, elle a un fusil à pompe normal, elle a un gilet pare-balles, qui est très bien. Est-ce qu'elle pourrait pas équiper plutôt un fusil à pompe automatique? Après, sinon, on a un fusil à pompe. Je vais lui demander d'équiper ça. Quelle heure est-il? 15h. Elle dort. Laissons-la dormir. Dans son planning, elle a le droit de dormir. Putain, jusqu'à 17h. Ça va être long. Ça va être trop long. Il faudrait qu'elle me trimballe aussi cette table, parce que sinon elle va me dire que ça va mal. Il faudrait aussi qu'elle enlève ces deux clodos là. Aïe, on n'est pas arrivé, mes petits amis, on n'est pas arrivé, mais on va faire pour le mieux. On va se débrouiller. Ça, faudra que je le détruise. Ça ne sert à rien. Et là, c'est pareil. Faudra que je refasse ça de façon plus logique. Mais ça sera pour plus tard, c'est pas grave. Pour le moment, on a encore quelques pièges qui peuvent nous permettre de stopper des cambrelins. Alors qu'on a vu qu'il y en avait quand même un qui passait à travers. Il est passé à travers tous les pièges, je sais pas par quel miracle. Oui, vas-y, ce n'est pas grave. Quand tu seras levé, tu me feras cette petite porte, s'il te plaît, ça va nous faire gagner du temps. Si tu peux te lever un jour. Voilà, il fait nuit, dehors, stop. Elle mange. Top, si tu peux faire ça, si c'était possible. Ça serait sympa. Qu'est-ce qu'elle est partie chercher? Une chaise. C'est très bien. Va chercher une chaise. Qu'est-ce qu'elle fait? Relaxation sociale. C'est gentil. Tout ça, on va le remonter là-haut aussi. En temps voulu. Bon, la relaxation est finie. Qu'est-ce qu'elle va nous mijoter? C'est qu'elle va faire une porte. Peut-être. Ouais, elle fait beaucoup de tours et de contours. Oh putain. Non. Tout ça pour trimballer la table. Bah, c'est bien, c'est très gentil hein, de trimballer la table, mais bon. Ok. Eh ben, stop, attends, tiens, tant que t'es là, tu sais quoi? Est-ce que tu pourrais pas emmener eux? Parce qu'on les a en plein milieu, c'est moche, autant les mettre à côté, hein, ça sera plus propre. J'imagine qu'elle est partie chercher la chaise. Ouais. Il restera ça. Il restera à trimballer tous fourbis. Est-ce qu'on se fait un petit refroidisseur en attendant? Combien il fait là-dedans?
Pourquoi ça me met extérieur 20? Oh. Attendez, je comprends pas. Là, c'est intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La baie a pourri dans le stockage? On s'en fout. Pourquoi ça met extérieur là? Je comprends pas. Ah, parce que. À cause de ça? Bien sûr. C'est pas fermé ici. Donc on considère qu'on est en extérieur. D'accord. Je vais mettre une petite zone ici de stockage de bois ou pas? Il est où le bois? Il est là? Stockage. Ouais, il est là. Ouais, non, c'est bon. Faut pas exagérer. Elle est repartie se coucher. Elle a mangé un petit bout. Elle est repartie se coucher. C'est bien. C'est gentil. 17h. Il va falloir. Oula, elle a démonté donc 2-3 trucs. Elle va nous refaire quelques pièges. C'est très bien. Il faudrait. Je sais pas ce qu'elle fait. Je la laisse faire. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Et elle joue à ça. Je lui ai demandé de le démolir et d'en construire un autre en haut. Ça va être bon. Mur à 100%, prêt à récolter. Va falloir récolter. Fluff, stop. Démolis-moi ça, s'il te plaît. Voilà. Et puis maintenant, tu vas me construire ça. Il manque de bois? Non, mais du bois, on va en faire. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'elle amène? Des médocs. Elle fait quelques pièges en fer. Ça, c'est très bien. Voilà. Stop, s'il te plaît. Tu pourrais couper ça. Et ça. Voilà. Stop. Viens voir là, s'il te plaît, maintenant aussi. Coupe-moi ça. Fluff, s'il te plaît. Coupe-moi ça. Et ça. Vas-y. Ah ouais, non, elle fait les pièges. Bon, écoute, je la laisse faire ce qu'elle a à faire. Je surveille d'un œil, hein, d'accord? On perd de la bouffe là à tour de bras. Parce qu'il va falloir me ranger ça prochainement. Qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas trop ce qu'elle bidouille. Ah oui, elle range deux, trois petits trucs. C'est gentil. Elle fait un petit bout de mur. Il reste une porte à faire. Par contre, ce qui serait bien, tu sais quoi? Ça serait de ranger ça. Voilà. Remonte-moi un peu de ça là-haut, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Le Gojuice s'est détérioré. Alors, très franchement, je préfère. Je préfère, je préfère, je préfère. Donc elle va venir chercher des patates. Ici, je pourrais supprimer la zone, franchement. Ouais, je vais la supprimer. Et là, c'est une zone où il y a de l'argent. L'argent ne se détériore pas. On pourrait nous le voler, potentiellement. C'est possible. Par contre, ce qu'il faudrait faire, tu sais quoi? Ça serait trimballer. Transporte herbes médicinales et transporte les médicaments. Go. Calmez-vous. Un groupe de voyageurs de Toisvaider du Nord. Passez, passez, mes amis, passez. C'est dommage, j'aurais pu vous. Bah tiens, j'aurais pu vous vendre du Gojuice. Tant pis, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on a qui va dober? Ça, c'est quoi? De la yayo. Je vais la vendre. C'est bon, vous êtes passés? C'est tout? Vous passez, vous, en fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont parlé, eux? Des grosses personnes. À moquer le sujet d'animaux, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pas grave. Fluffy, repose-toi un petit peu. Et après, dès que tu vas te lever, vas-y, on va faire un truc, tu sais quoi? Tu vas fermer ça. Il n'y a pas de bois? On va en faire. Coupe. Coupe. Et coupe. Ah, c'est pas du bois. Coupe. Ok. Allez, go. Cet éléphant là, il commence à me fatiguer un peu ici. Je sais pas ce qu'il fait. Fluff. Fluff, 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 fluff. Dehors, il fait 23. On pourrait revenir. Ouais, stop. On va revenir. Dès qu'elle va être levée, on va revenir à des plannings un peu plus raisonnables. Dormir. 5, 5,
6, 7, 8. Et là. Voilà. Temps libre. Go. Allez, s'il te plaît, maintenant lève-toi et puis viens me faire ça, parce que sinon ça sert à rien d'avoir des pièges. Les mecs, ils vont nous attaquer direct. Oh! Bon, bah, tu sais quoi? Viens couper du bois. J'aimerais qu'on finisse ceci. Merci. Et de quoi elle redort, elle, encore? Ah ouais, parce que... Oh, putain. Je lui ai dit de dormir la nuit. Elle fait double nuit. C'est très bien pour elle. Là, est-ce que ça va dauber, tout ça? Ça, ça daube pas. Ça, ça peut dauber. Ok, alors, il est 5h du mat. Stop. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle récolte des patates, c'est très gentil. Non, non, attends. Eh, viens voir. Tu sais quoi? Tu vas... Pourquoi tu peux pas transporter ça? Pourquoi? Sniffer du yaillot. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi le pémican, elle peut pas le transporter? Stockage. Attends, du calme. Ah là 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 là, elle va tourner la carte. J'en étais sûr. Pémican, bien sûr que si, elle peut le transporter. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Relaxation sociale. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Fluffy, calme-toi. L'humeur chute. Pourquoi l'humeur chute comme ça? Je sais pas trop. L'appel au secours de vie. C'est qui? Elle est blessée, incapable de bouger. Ouais, non, mais je pense que non. Hein. Je vous dis. Oula. Nous, on est là? Non, nous, on est là. Et on... Ouais. Ouais, d'accord. Eh ben, tu sais quoi? Au revoir. Désolé pour toi. Je peux pas t'aider. Bon, elle a mangé cru. Parce qu'il n'y a pas de bois. Comment ça bien faire? Qu'est-ce qu'elle a dans son dos? Je sais pas ce qu'elle a dans son dos. Ah, elle a une sorte de petit sac à dos, on dirait. Écoute, récolte des patates. Et puis après, tu iras semer des patates si tu peux. Parce que là, on n'autorise plus le semis. Là, c'est fini, là, maintenant. Voilà, démence mineure. Ramasse-moi tout ça. Va me le mettre à l'abri, s'il te plaît. Comme ça, on va pouvoir arrêter tout ça. La smoke, elle est prête à récolter. Elle s'abîme. Eh ben, il faut la ramasser. Vas-y, cueille. Ça vaut du blé, la smoke, hein. Allez, allez, go, 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 go. J'ai pas planté de smoke là-haut, je m'en souviens même plus. Stop, non, 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 ça tu vas me le mettre à l'abri. Voilà, mets-moi ça à l'abri là-dedans. Combien est-ce que... Ah oui, ça va pourrir dans 30 jours, ça c'est dommage. C'est dommage, mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Là on a quoi? On a dit que là on avait du riz, là on avait de la racine de vie, là on avait du maïs. Et il faut que je fasse une zone avec de la smoke. Ouais, mais alors une zone avec de la smoke. Aïe. Aïe. Alors l'autre, il arrive, il est tout seul. Mais il a un putain de fusil. Et nous, on a fini ici notre mur ou pas? Fluffy, viens là. Pas en passant par là, s'il te plaît. Déjà, Fluffy, tu sais quoi? Non, je te démobilise. Démobilisé. Tu vas transporter ça. Par ici, s'il te plaît. Où il est, l'autre con, là? Pardon, excusez-moi, YouTube. Je dis les gros mots, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Je me méfie, je fais gaffe. Faut que j'en dise moins. Mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Voilà. Voilà. Et stop. Là, tu sais quoi? Là, cette porte-là, on va la maintenir ouverte. Eh, stop, stop, stop. T'es folle, toi. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va aller attaquer?
Que lui, à la limite, il est tout seul. Si on arrive à le faire rentrer dans nos pièges, on est bon. Hein. Il surveille les cibles. Les cibles de quoi il surveille? Ouf, écoute, tu sais quoi, Fluffy, fais ce que t'as à faire. Mais je préférerais que t'ailles pas trop par ici. Si c'était possible. Ouais, non, et par contre, tu sais quoi, tourne pas la carte maintenant, s'il te plaît. C'est pas le moment. Sayuri, là. Sayuri. Allez, allez. Récolte échoué, on s'en fout. Remonte te mettre à l'abri. Tranquille. Va te reposer. Attention, il arrive. Non, il arrive pas, c'est bon. Faut pas tourner la carte, ma vieille. Faut aller te reposer. Faut rester cool. Tranquillo. Va dormir un petit peu. Voilà. L'autre, il va rentrer par là. Et normalement, ça va mal se passer pour lui. Oui, je pense. J'espère. Pomme de terre, c'est détérioré. Ouais, c'est normal. Aïe. Qu'est-ce qu'il a... Il a pris quoi, lui? Non! Il m'a piqué mon... Oh là là! J'y crois pas. Parce que là, il est en train de partir avec l'artefact. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, de toute façon, je vais pas lui courir après. Qu'est-ce que je fasse? Ah ouais, non! J'ai fait le con, je l'ai pas rangé. Quel âne. Eh mais si je laisse ça ouvert, moi, je fais des conneries aussi, là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Relaxation sociale. Tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tiens, ça. Tu sais quoi? Tu pourrais pas me le dépiauter? Transporte le chinchilla. Ah, mais oui, mais là, j'ai pas demandé. Mais oui, mais bien sûr, mais je suis con, moi. Ajouter une tâche. Dépecer une créature. Ouais, je déplace les trucs, mais bon. Jusqu'à en avoir 3. Ok. Ouais, donc lui, il nous a cravaté un piège en bois. J'ai bien fait de mettre des pièges en bois. Elle, elle dort. Elle prend des patates crues parce qu'elle a pas cuisiné. Elle mange cru, donc ça va très très mal aller. Je fais n'importe quoi parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour manger comme il faut. Et les patates là-dedans, ça va pas le faire. Et là non plus. Et là, on va fabriquer un refroidisseur passif en attendant, parce que sinon, énergie, température, on va mettre un refroidisseur passif ici. Voilà, on va la laisser dormir parce qu'il est 2h du mat. Elle va nous fabriquer ça très vite. Parce qu'on n'a pas de bois, bien sûr, donc on est très ennuyé. Là, on n'a rien de planté. J'avais dit qu'il fallait que je plante aussi de la smoke pour vendre. On va essayer. On pourrait la faire en dessous, là. C'est pas très grave. Architecte, zone... Zone agricole. Alors fais voir, là on a dit que c'était comment. Ah ouais, mais là c'est naze. Hein. Ouais, mais on n'est pas obligé d'en faire une grande. On va en faire une pas grande. Smoke. Voilà. Et là on a du riz. Pourquoi c'est comme ça le riz? Ouais, non, mais on est pas trop mal. Allez go, tu voudrais pas te lever s'il te plaît et puis faire des trucs avant de tourner la carte, parce que là je sens que ça va mal se passer. Je sais pas pourquoi, mais je le sens très vite arriver. Je sens le tournage de carte de elle. On en est où? Ouais, l'humeur est basse. Environnement très déplaisant, manger de la nourriture crue. Mais t'es pas obligé de manger de la nourriture crue, ma vieille, hein. Allez vas-y, lève-toi, tu me fatigues là, c'est 8h du mat là. Oh, allez! Non mais... Vas-y, fais des plats. Fais des plats tranquilles. Mange. C'est bien. C'est quoi ça? Ah, c'est les zones agricoles. Ah oui, d'accord. J'enlève.
la zone agricole, je m'en fous. Ça n'avance pas très vite. Hein. Ok. Fais-nous 2-3 plats. Elle va aller chercher d'autres trucs pour faire des plats à Bab El Oued. Bien sûr. Attends, le truc là, tu sais quoi? Calmez-vous. Coupe du bois. Ça, c'est une plante, d'accord. Allez, go. Tu vas m'alimenter ça pour pas que ça s'adobe trop. Parce que là-dedans, il fait quand même chaud, il fait 30. Alimente le refroidisse, s'il te plaît. Voilà. Et maintenant, stop. Transporte les patates. Les composants, ça... Ah merde, ça se détériore. Je lui donne des mauvais ordres. Excusez-moi, comme d'habitude, hein, tous ceux qui savent jouer comme il faut. Ne m'en veuillez pas, je donne des ordres et des contre-ordres. Elle va me dépioter ça. Ok. J'ai pas de stock de bois, quasiment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe du bois. Si, ça y est, elle va couper du bois, enfin. Toujours en risque de démence. Ça tourne la carte à tout moment. Allez, go, 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 go. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle ravitaille le feu de camp. Ok. Est-ce que tu pourrais me... Non, il faut 50 bois. Eh ben, on va en refaire du bois. C'est pas grave. Voilà, fais des trucs. Et puis quand t'auras fait tes 3 plats, chaque chose en son temps, hein, tranquille. Là, j'ai toujours rien rangé, toujours rien nettoyé, toujours rien miné. On est d'accord? J'ai toujours rien planté non plus. Voilà. Donc, ça suit son cours calmement. J'adore ce jeu. Franchement, je m'y prends super mal, mais... Non, stop, stop. Arrête, stop, j'ai dit. Tu veux faire un piège? Je m'y prends mal, mais c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu qui a un rythme qui est fun. Bon, vous remarquez que je joue toujours avec un perso tout seul, parce que si j'en avais 5 du début, moi, j'y arriverais pas. Je serais paumé de chez paumé. Ce serait un bordel monstrueux. Déjà, un, vous voyez que je galère. Mais alors 5, 6, 10. Mon objectif, ce serait de monter à 10. On verra, hein, on n'en est pas là. On peut refroidir ici, là. Pourquoi on est toujours en extérieur? Ah putain, on est toujours en extérieur, ça va tout dober. Et bah de toute façon, il faudrait que je fasse ça avant. Eh oui. Bon, on accélère la nuit. Faut que la nuit passe. 1h du matin, ça va aller. Je vais lui demander... Qu'est-ce qui se passe? Stop. Non, mais c'est bon, je m'en fous. C'est là et là. Je veux pas faire les quêtes. Arrêtez de m'embêter avec vos quêtes. Toi, dors. Vas-y, dors un peu, là. 2h du matin, 3h du matin. À quelle heure il se lève? 5h. Stop. Mange un bout. Tu vas faire un truc, tu sais quoi? Stop. Tu vas équiper soit le fusil d'affaut, soit le fusil à pompe. Le fusil à pompe. Allez, go. Voilà. Là, c'est sale. On va prendre des intoxications alimentaires. C'est pas grave. On va prendre du bois pour faire quoi? La porte. On est enfin en intérieur, mes amis. Ça y est. Oh putain, mais il fait pas très très chaud. Ah si, ça monte. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? D'accord, elle observe les nuages. Faut se détendre dans la vie de temps en temps. Faut rester calme, hein, tranquille. Là, dedans, il fait pas très chaud. Il fait 17, ça va. Là, c'est en train de tout dober. Ouais. Je vais la laisser finir de faire ce qu'elle a à faire. Voilà, coupe 2-3 trucs. Elle coupe des plantes pour faire ça. Elle coupe des plantes pour faire des pièges. Ça, c'est bien, ça. Pourquoi elle coupe? Ah, elle va planter. Elle va enfin planter. C'est très bien. Je te félicite, ma vieille. Plante-moi ça, s'il te plaît. Et ensuite, il faudra qu'on protège un peu tout ça, je pense. Bon, ça, c'est quoi? C'est du maïs, je crois. Ouais, c'est du maïs. C'est pas ce qui va pousser le plus vite. Mais c'est pas grave. Son humeur est remontée. Si j'arrive un jour à tourner, tu sais, de façon un peu stable, c'est-à-dire assez de bouffe, les corvées faites et tout,
J'essaierai de creuser. Parce que là, pour le moment, j'en suis pas à creuser. Hein. Voilà, fais-moi une porte. Ça, tu peux me déplacer ça? Ou pas? Ça serait bien de me faire le refroidissement passif, si tu peux. Hein? Si c'était possible. Non? Tu dors? Ouais, vas-y, c'est pas grave. Fais ta vie. Dors un petit peu. Mes cadavres, là, ils en sont où? Ils sont dans l'eau, ils sont bien. Tout va bien. Ici, il va falloir qu'on rapatrie un peu. La smoke, elle est bien là-dedans pour le moment. Ouais, elle est bien. Tout ça, par contre, ça va tout mourir. Et puis alors, paquet par paquet, hein, je vous le dis. Mais, j'ai pas... Ah non, mais j'ai pas tellement de stock en plus. Là-dedans, il fait chaud. Donc, ce qu'on va faire... On va récolter du tech un peu, puis après, tu t'inquiètes. Tu manges, et puis après, ce que tu fais, tu me... Non, tu peux pas. Eh ben, c'est pas grave, on va récolter du bois encore un petit peu ici et ici. Voilà, fais quelques plats. Stop. T'es parti où? Chercher du bois. Pour finir les pièges. Ok. Chacun ses priorités. Bon, bah, après les pièges... Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Ouais, faut se détendre un peu. T'as raison, ma vieille. T'as raison. Après, par contre, ce que tu feras, tu me finiras ça, s'il te plaît, quand tu seras bien... Voilà. Récolte ce business. Bon, là, on a fini quasiment les pièges, quoi. Non, viens faire ça, s'il te plaît. Maintenant, tu m'emmerdes, d'accord? On arrête de rigoler. Tu récoltes, et tu viens faire ça. Combien il en faut? Mais arrête! Putain, j'en peux plus. Allez, coupe. Coupe du bois. Plante un peu, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, les patates ça pourrit. Évidemment que les patates ça pourrit. Stop. Je sais pas si ça donne beaucoup de bois. Mais non! Mais putain, mais oh! Attends, il me faut 50 bois. On va y arriver, hein, je vous le dis. Hein. De toute façon, je vais l'obliger. J'en ai rien à foutre. Hein. Là, elle va pas m'emmerder. Tu cuisines ton plat. Après, tu stops. Après, tu viens là. Tu récoltes. Dépêche-toi, hein, je veux pas le savoir. Hein. Combien ça donne? 14. 15. Quelle heure il est? 20h, il va falloir qu'elle aille dormir. Et tu viens maintenant, stop, me fabriquer ça le plus vite possible. Parce que j'en peux plus. Voilà, c'est très bien. Merci. Tu me fais ce refroidisseur passif, là, qu'on arrête de rigoler 2 minutes. Voilà, et maintenant tu dors, tranquille. C'est bien. Bon, très vite, il va nous falloir de l'électricité. Et on va se faire un petit établi de tailleur de pierre aussi. Ça fait je sais pas combien de temps que je le dis, mais bon. Production, établi de tailleur de pierre en argent, en uranium, en plastacier. Je peux le faire en quoi? Je peux le faire en argent, en uranium, c'est vrai? Non, mais l'uranium, faut que je le garde. En plastacier, ça sert à rien. On va faire en bois, arrête tes conneries. C'est bon. Voilà, on va faire ça et on taillera de la pierre. Dors ma vieille, dors. Je vais te faire dupliquer une chaise. Voilà, c'est très bien. Et quand ça sera fabriqué, alors combien il faut de bois? 24, on les a les 24. Oui, on les a, largement. Et ensuite on fabriquera des murs en quoi? Qu'est-ce qu'on a beaucoup nous? On a du granit. On a beaucoup de granit. Ça c'est très bien. C'est plutôt très bien. Oui. On a de l'ardoise aussi. L'ardoise, ça brûle pas. Je pourrais mettre l'ardoise là, autour. Potentiellement. Pourquoi pas? Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est de l'ardoise. Je pourrais refaire de l'ardoise ici. Ouais. Bonne idée. Allez, fais ta vie, ma petite vieille, s'il te plaît. Dors. Réveille-toi vite. Là-dedans, il fait combien? Il fait 25 parce qu'il y a le feu aussi. Pareil. Et dehors, il fait bon, là, dehors. Ah, dehors, il fait 18. C'est quand même plutôt pas mal.
Oh, mais elle dort jusqu'à quelle heure, elle? Qu'est-ce qui se passe? Fluffy la taupe se cache dans sa piole. Oui. Je le vois, je la vois, elle est là. Oh là là. Est-ce qu'on perd les récoltes? Ouais, on en perd beaucoup. Là, on va supprimer. Voilà. Là, pareil. Voilà. Là, pareil. Voilà. Et là, pareil. Donc ici, on n'a plus rien. Ok. Et là, on a encore ça. Ok, d'accord. Tu me dis quand t'as fini hein, de faire la conne dans ta piole, toi. Alors, t'en es où, niveau besoin? Dans le noir. Bah, on n'est pas dans le noir, je suis désolé. Si, on est dans le noir ici. Ah, parce que ça éclaire pas tout. Ok, d'accord. Où est-ce que je vais mettre une éolienne? Il va me falloir de l'électricité de toute façon. Mais le problème, c'est que si je mets une éolienne, les autres, ils vont attaquer, ils vont me défoncer mon éolienne. Bien entendu. Comme de bien entendu. C'est ça qui m'ennuie. Et une éolienne, c'est pas le top. Je pourrais mettre des panneaux solaires. Énergie. Non, je peux pas mettre des panneaux solaires. Je sais pas faire des panneaux solaires. D'accord. Mais je pourrais mettre un générateur à bois, parce que j'ai quand même pas mal de bois. Ouais, c'est vrai. Je pourrais caler un générateur à bois ici même. Oh, écoute, dès qu'elle a fini de faire la folle, on va faire en sorte qu'on produise du bois. J'ai beaucoup de bois, moi, dans la région. Oui, 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 du bois, j'en ai par milliers. Bon, tu me dis quand t'as fini de faire la folle dingue. Fais voir. Ton humeur... Oh là, mais l'humeur baisse. L'humeur remonte. Non, l'humeur rebaisse. Et se donner extrême. Oh là, oh là, oh là, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Zéro, humeur zéro. Donc là, elle est en ch'tive totale. Mange, ça va te remonter un peu. Oui, un tout petit peu. 12. Allez, il faut que ça remonte à 20. C'est très... C'est bon, stop. Tu te caches plus dans ta chambre. J'en ai rien à foutre. C'est quoi une charge de mousse? Une vague de mousse, ignifuge et libérée. Je sais pas comment... Pourquoi je... Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. C'est pas grave. Tant pis. Excusez-moi, j'en ai encore fait une. Ici, tu vas miner ici. Voilà. Allez, go. Qu'est-ce que... Non! Oh non! Non! J'ai emboucané toute la baraque. Bon... C'est pas grave. Tant pis. Bon bah écoutez, au moins on dort en paix. On est dans de la mousse ignifugée. Je vais donc vous souhaiter une bonne nuit. Non. 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 C'est trop tôt. C'est trop tôt. Allez, on va se lever. On va nettoyer ça. Fluffy, arrête. Arrête, 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 arrête. Arrête. Fluffy, réveille-toi s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais... Il est 14h. Putain, sans déconner quoi. Oh, c'est bon non? Venez, venez, venez. Stop, les voyageurs, venez. Si, hey, je peux vous vendre de la smoke. À fond. Où êtes-vous? Est-ce que je peux vous vendre des trucs? Même pas. Je peux même pas leur vendre des trucs. Fluff, tu peux parler avec eux ou pas? Ah, merde, je peux rien leur vendre. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est dommageable. Attends, s'il te plaît. Nettoie-moi la mousse anti-incendie parce que là, ça ressemble à rien. C'est un peu ridicule. Putain. Je savais pas que j'avais ce truc. Allez, il est 20h, elle va retourner dormir, j'en suis sûr. Ouais, fais-toi à manger, c'est important de manger. On va tomber en panne de bouffe bientôt parce que j'ai fait le con. Et que là, ça pousse pas très vite. Et là, les médicaments, ça pousse pas très vite non plus. Tu peux... Alors, elle se repose. Voilà, elle vient de se lever, elle se repose. Il est 23h, tranquille. On est en décembrier. Donc, c'est la vie. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Peut-être. Pourquoi elle est de si bonne humeur d'un coup, là? Qu'est-ce qui lui arrive?
Et allez, le traité de Baltar. Balrar, où il est Balrar? Il est tout seul? Vas-y, je t'attends mon petit pote, je t'attends, viens là. Allez, viens. On va ouvrir la porte. Voilà. Faudrait peut-être pas trop sortir, ma vieille. Je sais pas ce que t'es parti faire, mais je sais pas si c'est la meilleure idée. Ouais, d'accord. Ok. Il est où l'autre clodo là? Qu'est-ce qu'il se... Ah ça y est, lance l'assaut. Où sont-ils? Ils arrivent. Stop, fluff. Oula. D'accord. Eh ben voilà. Alors lui, il est dans quel état? Non mais pas le... l'eau lui là. Qu'est-ce qu'il a lui? Matériel, il a quoi? Guenille de sauvage, par contre tissu. Va vite le déshabiller s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Puis tu le laisses crever. On s'en fout de toute façon. Il nous emmerde où il a vie. Il va mourir hein, de toute façon, c'est pas très grave. Voilà. Alors elle plante, c'est très bien parce qu'au bout d'un moment on va manquer. Pourquoi il y a de la mousse partout là? C'est quoi ce bordel? Est-ce que je trimballerai pas de la mousse partout? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde! Du minerai d'argent, mais c'est magnifique. Et ça c'est quoi? Des gravats en calcaire. L'autre, le météorite, il est tombé, il a failli tomber dans mon jardin, quoi, direct. Qu'est-ce que j'ai sur le dos? Une parka en laine de buffalo normale. Et ça, c'est une parka en quoi? Parka en tissu médiocre. Oh non, non, c'est bon, je m'en fous. Vas-y, fluff, plante, tranquille. Et puis l'argent, on l'a. Maintenant, on sait qu'on l'a, donc on est bien. Puis lui, quand il sera mort, on ira le... Ça y est, il est mort? Bah attends, tu sais quoi? Je vais pas l'enfouir. Si, je peux l'enfouir. Ouais, vas-y, enfouis là, on s'en fout. On a des tombes en rab. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de malus. Allez, plante un peu de saloperie, là, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle joue toujours. Elle est toujours en train de s'amuser. C'est la fête. J'aimerais bien transporter tout ceci. Ah non, ça c'est bon. Ça c'est stocké. Là, on en est où? Un alpaga enragé. Ça, c'est pas gentil. Oh merde! Ça arrive vite ou pas trop vite? Ah ouais. Mobiliser. Viens vite là. Voilà, stop. Alors lui par contre, tu sais quoi? Tu vas aller me le démobiliser. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu sais quoi? Tu vas aller le... Non, je te démobilise toi. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça nous fera de la barbaque, tranquille. Donc on peut se reposer, tout va bien. On n'a plus de bouffe d'avance. Hein. Par contre, là, là, c'est pas la rigolette. Et en bas, on a perdu quoi? La smoke, elle perd dans combien de temps? Dans 24 jours. Ça nous laisse du délai. Ça, l'IAO, je m'en fous. Le pémican non réfrigéré, il pourrira dans 32 jours. On va se le garder. Ça, on va le déplacer. On va le mettre à côté de notre chambre. Est-ce que ça marche, là? Ouais, ça marche. On va le mettre là, ça séparera un peu. Bon, bah écoutez, c'est sur ces entrefaits avec une chambre pleine de mousse qu'on va se quitter. Et on va se retrouver bah, très prochainement pour la suite de nos aventures. Ça, c'est quoi? On va l'autoriser. C'est un pauvre arc. Ouais, on va l'autoriser quand même. Et puis, bah je vais vous dire, dormez bien, reposez-vous. Et puis à la prochaine pour la suite des aventures de Fluffy la taupe dans la jungle. À bientôt.